Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy, et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de notre série CR7 Toti et compagnie, et on va directement commencer cet épisode par bien entendu ajouter le joueur que vous m'avez le plus proposé dans les commentaires de l'épisode précédent, donc le commentaire qui a reçu le plus de likes, c'est le commentaire de Narcotics qui m'a proposé Thibaut Courtois, il m'a dit ça renforcera les cages, et en plus de ça j'aurai plus de chance sur les corners, donc bien entendu qu'on va ajouter ce cher Thibaut Courtois, juste le temps d'aller le chercher dans mon club, le voici, le voilà, il rejoint notre équipe, donc ça augmente un petit peu le collectif, on a un gardien qui a maintenant 10 de collectif, un gardien bien meilleur que celui qu'on avait auparavant, on a Kurt Zuma qui a 7 de collectif, donc voilà on améliore notre équipe, on améliore le collectif, donc voici un petit peu l'équipe avec laquelle nous allons jouer durant cet épisode, on avait remporté les deux matchs lors de l'épisode précédent, nous sommes donc en demi-finale, donc bah écoutez, je vous propose qu'on passe directement au premier match de cet épisode, allez c'est parti. Allez, on a notre premier adversaire, 98 de collectif, 84 de général. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oula, il nous a foutu un petit Marco Reus en BU. Aubameyang sur le côté droit, Schürrle-Boost sur le côté gauche, Pogba, Tevez, Vida. Alors là, par contre, ça me fait un petit peu peur, le milieu de terrain. Après, derrière, on a Clichy, compagnie, Chiellini, Abate et Courtois dans les buts, donc une très belle équipe. On va essayer quand même de faire le maximum pour aller chercher une place en finale avec notre équipe. Nous, on a pas peur. On a Cristiano Ronaldo. Du coup, forcément, on devrait avoir l'avantage. Attention, parce que là, ça va partir vite avec Marco Reus. On a essayé de la choper, on n'a pas réussi. Par contre, Thibaut Courtois, il fallait sortir. Mais oui, mais il fallait sortir plus tôt. Aïe, 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 aïe. On est mené. J'ai fait une petite erreur. J'ai voulu sortir dès le début de la passe. Et au final il a pas voulu sortir directement et après je suis resté appuyé et forcément bah, le petit coup de joystick et puis Marco Reus qui ouvre le score. C'est dommage de se prendre un but bêtement comme ça dès le début du match. Ah, Aubameyang il est parti, heureusement il y a Marco Reus au centre, c'est pas le meilleur de la tête. Oh bien joué, oh c'est bien vu, oh j'avais pas fait attention à ça, oh là c'était très 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 bien joué de mon adversaire. Heureusement que Thibaut Courtois était dans les buts. Bon, et bien écoutez, mi-temps. Une mi-temps très très triste, franchement il n'y a pas eu énormément d'occasions. La plupart des frappes que j'ai faites c'était en dehors de la surface parce que j'arrivais pas du tout à me créer d'occasion. Donc bah écoutez, 1-0 sur, ouais on peut dire quand même une petite erreur de ma part. Donc bah on va espérer que la deuxième période se passe un petit peu mieux. Ronaldo, la frappe de Ronaldo, elle était contrée. On arrive à la récupérer de l'autre côté. Allez, il faut centrer. Et oui, c'est Cristiano Ronaldo. Ça, j'en suis sûr et certain que c'est Cristiano Ronaldo qui va aller chercher ce ballon au-dessus de la défense, qui saute bien entendu plus haut que tout le monde. Et ben voilà, il suffisait que je dise, voilà, il faut voir Ronaldo, il faut marquer, il faut que ça se passe mieux. Directement, le petit centre, regardez, Ronaldo, il se place parfaitement bien, il saute plus haut que tout le monde, il place sa tête. Et voilà, on égalise, on est reparti un petit peu dans ce match, on rattrape un petit peu l'erreur voilà, qu'on avait faite en début de match. On peut le lancer bébé. Allez mon petit. Allez, la frappe du pied gauche, elle passe entre les jambes du gardien, mais elle va pas au fond. Ah c'est dommage, on a toutes les occasions là directement en première période, je disais qu'on en avait pas. Bah là on a absolument toutes les occasions. Oh le petit 1-2 portugais, il est parfait. Allez bébé. Et voilà le premier but dans cette série qui nous permet de mener 2-1 dans ce match. Et bah voilà bébé, il suffisait de le prendre un petit peu en main, de bien jouer en petit 1-2 avec Cristiano Ronaldo. Et là, bah derrière, la finition, elle est bonne. La finition, elle est parfaite. Regardez-moi ça. Le pied gauche, voilà, hors de portée du gardien. Et bébé qui nous permet, comme j'ai dit, de mener 2-1 dans ce match. Mon adversaire ne va quand même pas rage quitte. Mon adversaire qui rage quitte. Nous sommes donc en finale. Et mine de rien, ça pourrait être déjà la fin de cette série. Parce que, voilà, je vous rappelle que le but de cette série est d'aller remporter la Coupe Gold, le bouclier champion, comme vous voulez, avec l'équipe avec laquelle nous étions partis au début. Avec Cristiano Ronaldo et que des joueurs bronze et aucun lien entre eux. Donc ce serait quand même pas mal de terminer cette... Enfin, pas mal, oui et non, de terminer cette série alors qu'on n'a pas encore construit complètement notre équipe. On va voir ça, on va pas se voir plus beau que l'on ne l'est. On va aller jouer tout simplement cette finale en espérant essayer de faire quand même un petit résultat. On va voir ça, dans tous les cas, petite coupure et on se retrouve dès qu'on a notre adversaire pour jouer cette finale. Allez, on a trouvé notre adversaire enfin pour jouer cette finale. Alors, il va nous proposer une équipe de BPL. Une équipe de BPL plutôt sympa avec devant Diego Costa et Sturridge, ça fait peur. En MOC, Van Persie, Ashley Young sur le côté gauche, Oxlade Chamberlain sur le côté droit, MDC, Fellaini, Luke Shaw sur le côté gauche, Kyle, Williamson, je crois, le boost, si j'ai peur de dire une bêtise. Sagna est dans les buts, j'ai pas fait attention dans tous les cas.
une belle équipe justement pour jouer cette finale. Est-ce que la série va se terminer là-dessus? On va bien voir, dans tous les cas on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Ça c'est bien vu, ça c'est bien vu, il faut accélérer, il faut accélérer. Maintenant il faut la mettre au fond, j'ai frappé trop tôt. Ah, première erreur du match. Ah, dans le dos de la défense, ça va être compliqué de le rattraper. Allez, Kurt Zuma, oh là là, dommage. Allez, encore une fois, comme le match précédent, on est mené assez tôt dans le match. Sauf que là, j'avais une belle occasion d'ouvrir le score juste avant. Malheureusement, sur la relance, et ben voilà, derrière, ça fait but. Et c'est Oxlade Chamberlain, si je dis pas de bêtises, qui est venu marquer ce but. C'est bien ça. Bon, bah écoutez, on est mené un but à zéro. Allez, Ronaldo, la frappe de Ronaldo, elle était parfaite, enfin elle était presque parfaite parce qu'elle n'a pas été au fond, enfin faut dire que son gardien fait un bel arrêt quand même. Oh, bien joué. Allez, redonne-lui, oh là là, c'est parfait, il faut absolument la mettre au fond mon petit. Ah, j'ai poussé trop loin mon ballon, il arrive quand même à la prendre, j'étais déjà en train de me dire, ah j'ai encore fait le con. Ah non, cette fois-ci, j'ai réussi quand même, enfin, Kato a réussi à tendre le pied, mais par contre, l'action, elle est... Moi, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais je trouve ça particulièrement bien joué, sans vouloir me jeter des fleurs, même si c'est ce que je suis en train de faire. Et on arrive à battre son gardien, qui est, je pense, Derea, du coup, si j'ai bien reconnu, dans tous les cas, c'est pas bien grave de savoir qui est le gardien adverse. On est revenu à égalité, c'est le principal. Allez, le petit 1-2, il est parti, si le ballon est bien donné, il peut faire quelque chose. Allez, vas-y, il faut accélérer. C'est Acheyang qui te suit. Oh là là, magnifique. Oh non, me loupe pas ça. Allez, on joue pas mal. Ronaldo, tu passes devant. Bien sûr que tu passes devant, mais faut la mettre au fond. Applique-toi, Ronaldo. Oh, on l'a vu partir. Allez, bébé. Allez, on revient. Ah, on a essayé encore une fois. Il arrive à tenir sur ses jambes. Et voilà, il la met au fond. Cette fois-ci, on passe devant. Bébé qui vient marquer à la 31e minute, si j'ai bien vu. Voilà, il résiste quand même au retour de Fellaini. Cette fois-ci, il ouvre son pied. Cette fois-ci, il trompe Derea. Il trouve le petit filet. Voilà, ça nous permet de mener 2-1, comme le match précédent. On est mené 1-0 assez tôt dans le match. Et au final, pour le moment, on mène 2-1. On va essayer de continuer et de tenir ce score. Oh oui, pour bébé, on l'a vu tout en haut, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, mais à la base c'est ce que je voulais faire avant que le gardien arrive, parce que vu qu'il y avait deux défenseurs qui venaient sur moi, de l'autre côté, Kato, il était absolument tout seul, et là il a décidé de sortir son gardien, c'était pas forcément la meilleure des solutions, je pensais qu'il allait tacler avec Fellaini, c'est pour ça que j'ai pas frappé directement, et juste avant la mi-temps, on prend 2 buts d'avance, bah écoutez, on va essayer de continuer comme ça. Écoutez, mi-temps, 3-1 pour en notre faveur, en notre avantage. Pour le moment, au niveau des actions, on est un petit peu devant, on cadre déjà plus que mon adversaire. C'est une bonne chose, on a la possession, même si c'est pas de grand-chose. Dans tous les cas, 3-1, on est plutôt pas trop mal parti dans ce match. On a de belles occasions. On va continuer comme ça. Eh oui, qu'il est parti, Ronaldo. Oh là là, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Et on prend 3 buts d'avance. Je pense que l'issue de ce match est plutôt en notre faveur et nous est plutôt favorable. 3 buts d'avance, il nous reste 25 minutes à jouer. Je pense que ça sent bon. Ah là, Ronaldo, là, il a respecté plus rien. Le gardien Derea, il a plongé pour rien parce que je n'étais absolument plus là. Ronaldo, il est trop rapide pour Derea. Et ça fait 4-1. Avec Cristiano Ronaldo. Et boum! Oh Ronaldo! Oh là là, tu mettais ça, mais t'étais tout simplement énorme! Ah, t'aurais pu quand même, t'es le meilleur joueur du jeu, 99 de général! Allez, termine en beauté! Oh oui! Oh Ronaldo! Et voilà, notre adversaire, il en peut plus, en plus il fait un petit peu n'importe quoi, il balance avec son gardien, il balance en touche, avec ses joueurs, il va en corner, je sais pas du tout ce qu'il est en train de faire dans tous les cas. 5-1 pour cette finale, encore une fois un beau but de Cristiano Ronaldo, voilà l'arc-en-ciel, et puis hop derrière, le pied gauche, la finition, un petit peu en drop. Et voilà, ça nous permet de mener 5-1 et ça nous permet tout simplement de remporter cette compétition. On va juste faire attention, voilà, de pas se prendre de but. Heureusement qu'il a un petit pied gauche un petit peu merdique là sur ce coup, Sturridge.
Bon, et bien voilà, écoutez, on a fini ce match, on a remporté le bouclier champion au bout de ce quatrième épisode. Alors, ça a été vraiment très très court, et du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'on continuerait pas à tenter une deuxième fois de remporter cette compétition sans prêter attention au fait qu'on l'ait déjà gagné une fois. Donc, voilà, faudra me dire ça dans les commentaires. D'ailleurs, on va faire un truc. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous voulez qu'on continue cette série comme si de rien n'était. Voilà, on continue d'améliorer notre équipe autour de Cristiano Ronaldo, on continue de tenter de remporter une seconde fois ce bouclier champion. Donc dites-moi ça dans les commentaires et mitraillez-moi la barre de like si vous voulez vraiment que cette série continue comme si de rien n'était. Voilà, j'improvise parce que c'est vrai que là sur le coup je pensais pas du tout terminer cette série aussi rapidement, terminer voilà en 4 épisodes, donc c'est-à-dire en 8 matchs on a remporté le bouclier champion en partant du, je vous le rappelle, d'une équipe qui n'avait absolument aucun collectif autour de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires, balancez-moi un maximum de likes sur cette vidéo, et puis voilà, si ça vous plaît, si ça vous tente, on continuera l'aventure de cette série. Vous voyez qu'au niveau de cette finale, voilà, il n'y a vraiment pas eu photo, autant la première mi-temps c'était plutôt équilibré, autant la deuxième c'était vraiment en notre faveur, on a eu les frappes, on a eu la possession, on a eu tout ce qu'il fallait, et surtout on avait Cristiano Ronaldo. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du fait de continuer cette série dans les commentaires de cette vidéo. Et puis on verra bien par la suite. Alors je me rappellerai, bah voilà, si vous voulez continuer cette série, proposez-moi des joueurs, enfin un joueur or, rare, ou un joueur boost, ou un joueur man of the match dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, bah oui, man of the match, parce que voilà, on a certes on s'est pris des buts, mais on a remporté cette compétition. Donc si vous voulez qu'on continue, on pourra continuer avec un joueur boost, un joueur régulier, un joueur or rare, un joueur man of the match, un joueur Totti. Ça va être compliqué parce qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché des transferts, donc on va s'en tenir à ça. Et si vous voulez continuer cette série, vous me proposez un joueur dans les commentaires de cette vidéo, vous mitraillez la barre de like, vous me dites si vous voulez qu'on continue cette série, et dans le prochain épisode, s'il y en a un, on ira ouvrir bien entendu un pack or, bien entendu, puisqu'on a remporté les deux matchs de cet épisode. Donc voilà, bah écoutez, j'espère franchement que vous allez vouloir continuer un petit peu cette série en ma compagnie. Donc dans tous les, j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.